Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Unicorn Overlord, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre exploration, en tout cas notre progression sur cette petite partie de la map. Je ne sais pas exactement où on est en réalité, il faudrait que j'aille voir. On est au nord de Cornia je suppose. Ah oui d'accord c'est ça, on est vraiment tout au nord. Tout autour de là, on n'y a pas accès. On est niveau 12. Mais... Niveau 12. On devrait pouvoir la faire hein, celle-là. Hop, la question c'est est-ce que Hotchills considère que j'ai les 20 là? J'en ai 21. Vous voyez, mais si j'en dépense épée de Templier par exemple, c'est pas fifou, épée de Templier. Ça t'en a stock en infini. Une goutte mystérieuse rayonnante de pouvoir. Pendant type de lapis. Ça c'est bien ça. Il y a la rosée de protection, arc de Templier, bouclier de Templier. Attaque magique, annule les prochains dégâts magiques infligés à un allié. Ok. Barrière rapide. PP plus 1. Tu déclenches avant qu'un allié ne subisse une attaque. Par une ligne alliée de 50% lors d'une attaque, ok. Évaluation de plus de fragments 10 restants. Bouquet de chevalier sacré. C'est fort ça non? Ça je sais pas. Il n'y en a pas plus. Ah, pendentif de cornaline PA plus 1, ça m'a l'air bien. Reine de monture divine. Capuche, oreille de chat. Permet d'agir à nouveau et plus un CPA. Ah oui. C'est fort, mais ça nécessite beaucoup de PP. Hein. Mais là, on en a beaucoup plus, quoi. Ok, bah on va acheter un pendentif de lapis, parce que ça, c'est vachement bien. Je vais renouveler les récompenses pour la prochaine fois. À bientôt. Nouveaux objets à échanger disponibles. Pendentif de lapis, qu'est-ce qu'il nous a donné? Ah bah elle a mis un cornaline niveau 20 là, il nous faut. C'est ça, ça y est, il nous en faut 20. Il faut 20 cristaux pour la cornaline. Est-ce que j'attends pas d'en avoir 20 pour pouvoir avoir un PA supplémentaire? Au niveau de la quête, du coup, elle me dit quoi? Fragment d'hiver nécessaire 10. Ok, il en faut encore 10. Ah, techniquement, est-ce que ça vaut pas le coup? En plus, ça me donne un, si ça me donne un cornaline de faire la quête. Ok, attendez. On va refaire un autre lapis. Hein. Parce que ça, dans tous les cas, un lapis, je regretterai pas de l'avoir acheté. Hein. Mais vous trouvez des fragments d'hiver, merci de me les rapporter. Il semble que j'en ai assez. Je vous remercie. Tenez pour vous remercier. C'est indiqué 20, mais comme je l'avais déjà donné 10, je pense, quelque chose comme ça, je sais pas. C'était 30. Pendentif de cornaline, ça s'est pété. Alors, un autre lapis et 1000 de guerre. 40 de renommée. Il me tarde de me battre à vos côtés dans l'armée libératrice. Oshils rejoint l'armée libératrice. Ok. Épélés. Les épélés peuvent s'ajouter des bonus d'eux-mêmes et ont une attaque et une défense bien équilibrée. Ça m'a l'air bien stylé ça. Et je peux encore acheter des trucs, c'est ça? Je m'occupe des fragments divins à la place d'Oshils. Ah non, c'est pas le même. J'ai hâte de travailler avec vous, Prince Alain. D'accord. Faites-moi les fragments divins que vous trouvez. Maintenant, on va falloir lui trouver une place à Oshils. J'ai quand même bien envie de la mettre avec nous. Mais en même temps, là, ça marche tellement bien le combo. Ça marche vraiment bien. Est-ce que c'est pas Renault qui dégage pour mettre Oshils? Bah, attendez, on va voir ce qu'elle fait déjà Oshils. Elle est niveau 12 en plus. Alors, épée tourbillon. Attendez. On va aller voir dans l'unité plutôt. Enfin, dans personnage. Comme ça, je vois ce qu'elle a. Déferlante bouclier. Attaque un ennemi. Inflige. Moins 20% de défense, confère plus 20% de défense au lanceur. Et elle a 2-2. la 2 de chaque, ce qui est très fort. Moins 20% esquive, confère plus 20 esquive au lanceur. Se déclenche lorsqu'un ennemi attaque avec une compétence active, confère au lanceur plus 20 initiative et plus 30 précision. Précision et 6 plus 10, efficacité de garde, précision plus 10, esquive plus 10. On est d'accord qu'elle joue comme un... C'est un tank, elle, un peu. Hein. Ouais, c'est un peu un tank. Plus en précision. Ouais, je sais pas si c'est un tank, vraiment. Elle a pas mal de défense physique, mais pas tant que ça, par rapport à un tank. Elle a souvent un taux de garde à 33, donc si, c'est pas dégueu. Hein. Pas incroyable, mais c'est pas trop mal non plus. C'est grâce à son bouclier qu'elle a 33, cela dit. Après, une défense physique de 15, c'est pas nul non plus, mais c'est pas comme Alain, c'est un entre-deux. En vrai, elle fonctionne bien, je pense, en front lane, en duo avec... peut-être, voyez, en duo avec peut-être un Alain ou... Ah. Ici peut-être. Vous voyez, peut-être qu'il faudrait que je la mette... Si jamais j'arrivais à en mettre 4 sur cette unité-là, je suis à combien de médailles? Je suis à 35. Ça serait bien que j'arrive à avoir des médailles supplémentaires pour juste augmenter celle-là à 4. Vous voyez. Ou peut-être celle-là. On peut mettre Lex. Tu mets Lex là et Oshils ici par exemple. Avec elle. Bon, en termes d'équipement, en termes d'objets, là j'ai plein de trucs. Qui cuisiner, ça c'est des cadeaux, épée céleste, bouclier céleste, ok. Et là on a des pendentifs. On a 3 pendentifs de lapis et pendentifs de cornaline. Ça c'est vraiment pété. Hein. On va faire 50 d'XP à un allié. Inférieur à 10. Donc ça, on va faire inférieur à 10 pour ceux qui ont moins de niveau. Toi, par exemple. T'es inférieur à 10. Bruno aussi. Je sais pas si je vais pouvoir tous les augmenter en réalité. Hein, ça, le problème. Au rythme où on en est, je pense pas pouvoir mettre tout le monde au niveau 15. Hein. Clairement pas. Hein. L'archer, c'est le seul. Est-ce que l'archer est vraiment bien ? Je sais pas si l'archer est vraiment bien et d'ici à ce qu'on en a besoin, je vais plutôt mettre Charon, c'est notre soigneuse. Enfin, c'est un des soigneurs. 100% en or. Le problème, c'est qu'on l'utilise pas tant que ça, elle. Hein. Liste des personnages. Formation de l'unité. Sur cette unité-là, j'aimerais bien que toi, tu aies... Cela dit, tu peux pas, attendez. Alain, on peut pas vraiment lui enlever son anneau de licorne. Ça me paraît un peu dommage. On pourrait, hein, mais c'est pas très roleplay. On va le garder. Toi, t'as ta cornaline. T'as 3 PP. Est-ce que je t'ai mis un lapis? Ça fait quoi le bracelet d'argent? Assez d'argent. C'est marqué. Ça donne juste de la défense, mais c'est nul. Parce que je peux pas te donner un truc vachement pété. Je te donne un troisième rouge. J'ai besoin de donner un troisième rouge à Bérengaria. Parce qu'on veut pas que je donne un deuxième rouge à une autre personne plutôt. Pas sûr. Pas sûr que j'ai besoin de faire ça. Par contre, un deuxième rouge à toi, ça serait pas dégueu. En réalité. Toi, t'as pas mal d'esquives, des intoxiques. Ouais, non, attendez. Est-ce que vaut mieux pas que je te mette un pendentif ? Ça fait plein de critiques, t'attaques 2 fois. Plus que l'écharpe en soi, j'ai pas besoin que t'aies beaucoup d'esquive. T'as un tank. Donc je vais te mettre le. Je vais te mettre ça toi. Je mets double bouclier, ok. C'est qu'il y aurait besoin d'esquive. Toi t'as déjà ça. Toi t'as de l'esquive aussi déjà, non? T'as déjà une écharpe en soie. J'ai pas besoin que t'aies un deuxième truc bleu, par contre je vais te mettre. Ce que j'ai enlevé à l'autre. Bracelet d'argent là. Ah non, du coup je l'ai pas enlevé, je suis con. Il y aurait besoin d'esquive. Toi t'as peut-être besoin d'esquive hein. Non, la piste c'est très bien. Toi t'as rien. Petite esquive. Écharpe en soie. Ça peut bien aller en vrai. Après il va falloir acheter des armes. Hein. Qui aurait besoin d'un bleu en plus? Qui tape deux fois avec un bleu. Toi hein, peut-être. Des poisons. Garde véloce. Plutôt te mettre toi. Toi je vais te mettre un pendentif de lapis. Toi je te mets ça. Ok. Toi, est-ce que t'as de quoi? Véloce, t'as pas tant besoin de bleu que ça. Yana, tir magique. Sabre magique, ça fait quoi sabre magique? Avant qu'un autre allié n'effectue une attaque physique. Ah, en vrai c'est fort, attendez, je vais lui mettre un deuxième à elle. C'est elle que je vais lui mettre un deuxième lapis. Je vais virer ça. Je vais mettre un lapis. Hop. Ça va pouvoir l'attaquer deux fois. Toi, ton unité. Et toi aussi, je vais te mettre un. T'as déjà un lapis, donc je vais te mettre l'œuf, voilà. Et toi, bracelet de bronze, on va te virer bracelet de bronze. Parce que regard d'aigle, ça fait quoi regard d'aigle? C'est la prochaine attaque, l'utilisateur a une frappe précise. En vrai, c'est pas dégueu, hein. C'est l'attaque, on est sûr que ça touche. Du coup, je vais te mettre toi, on va virer le bracelet de bronze. On va te mettre un pendentif de lapis. Et toi, je vais pouvoir te mettre un bracelet de bronze. Toujours ça de prix. Toi, t'as quoi là? Est-ce que je peux bien mettre? Si j'ai encore des trucs. Non, j'ai rien. Ok, j'ai rien. Très bien. On va sauvegarder quand même, parce que comme ça, on n'oubliera pas. On va pas perdre ce que je viens de faire. Ce serait dommage. Hop, on n'a pas encore récupéré Hotchills. On mettra Hotchills dans une de nos unités. Mais pour l'heure, j'aimerais juste gagner des médailles. Et pour ça, il faut faire cette bataille-là. De toute façon, ce sera une bataille, je pense, relativement courte, avec peu d'unités, je ne sais pas. Commencer le niveau. Chevalier Lumière, Chevalier Griffon. Vas-y, vas-y. On va voir. La bataille de place varie. Parce qu'à la limite, on va revoir une chevalier. Non, on va peut-être pas la recruter, je pense. Hein. Le poste de commandant de la libératrice est capturé. Capturer le poste de commandant ennemi. Ok. Ils sont nombreux par contre. On n'a que 3 bravoures avec qui je peux taper. Alors. Contre les piafs, toi a priori t'es pas si mal comme unité. Hein. Piaf contre piaf. Soit. contre les gros tanks comme ça. Avoir un Mordon, ce serait pas dégueu, mais le problème c'est que c'est nul. Plutôt toi alors. Bon, toi t'as que de la magie. Après les... Non, les Ochlys je crois qu'ils tabassent bien. Hein. Mais niveau 13, j'ai pas très envie d'utiliser vous. Toi contre les piafs t'es efficace je pense. Eux ils sont pétés. Donc j'ai pas plus envie de les utiliser non plus. Toi en vrai c'est pas mal je pense contre les tanks là. Eux sont pas mal. Et... Eux ils vont crever hein. En vrai pas sûr. Peut-être essayer. On peut peut-être essayer. Et vous voyez ils font des choses. Hop. Il n'y a pas de... Non il n'y a pas de distance hein. Ok, eux par contre ils tabassent. Ils le tuent pas. Ok. On va taper lui, hein. C'est l'objectif. On devrait en tuer deux. Non, un seul. Je suis con, il a qu'un seul tir. J'ai mis un deuxième. J'ai mis un deuxième bleu pour qu'il tire deux fois précis. Mais il a qu'un seul rouge. Donc il peut pas tirer deux fois. Voyez. C'est un peu bêta. La frappe garantie. Ok. La victoire est pas mal. On va attendre. Alors vous mettez 100. C'est peut-être pas mal hein. Ou alors je mets vous plutôt. Non je vais mettre vous plutôt. Ça ça tape en groupe et après l'autre elle peut taper. Il clame ça. Il se prend les 53 je crois. Hein. Ouais, lui il fait rien contre eux, ok. Lol, la gonflette pour un dégât. Il clams. Et regonflette. Ok, c'est pour ça qu'on aurait tué qu'un. On les tape un par un. Hein. Hop. Bah, on va encore le tuer, hein. On va encore en tuer qu'un. Voilà, exactement la même chose. Parfait. Et ils se reprojettent sur nous. Alors là, je fais gagner l'XP au 4. Alors que là, je fais gagner l'XP qu'à 3. Je pense qu'on va plutôt vous faire vous. Tintin, tintin, tintin. Arme magique. Bam. Ça dégage. Parfait. Il y en a qui passent niveau 10. Plutôt bien. Attaque deux ennemis avec de la magie. Ça, c'est pas mal. Ça, ça me plaît pas mal. Deux ennemis minimum. Ok, en vrai, ça marche bien. Là, on prend cher. Là, on fait pas grand-chose. Ok, ben on va juste attendre alors. Annule la perte d'endurance à la fin de bataille. Repousse une unité ennemie après la bataille. Ok. En vrai, ça me plaît ça. Hein. Prends pas plus de dégâts que ça. Il est plus fort notre gros gars là. Notre gonflette. Paf. Gonflette. Boule de feu. Gonflette. Bam. Gros 38 à la gueule. Gonflette. Lui il attaque, il se prend 20. Et comme il va attaquer deux fois, il se reprend 20. Dommage. Balle esquive. Balle esquive. Ah, il a pas réattaqué, pourtant il lui restait un rouge, non? C'est bizarre. Hop, on va le tuer. Go. Arme magique. C'est la course sauvage. Ah oui. Ça les a bien tapé la course sauvage là. Double missile magique, très très bon. Gonflette et... Mourando, hein. Ouais, Mourando. Parfait. Passe niveau 10 pour tout le monde. On va gagner une compétence, non? Rafraîchissement supprime les malus d'une ligne d'alliés. Ok, ça c'est pas mal. Alors je prends pas grand chose là. Là on meurt. Donc toi on va te faire retour bercail. Retour bercail et toi... Ça sert à rien. En attendant, avant de faire retour bercail, on va peut-être faire sortir une autre unité. Ça, ça me plaît mieux. On leur fait 0 dégâts. Ah non mais attendez, ils sont tous anti-magie là. Comment je tabasse ça moi? C'est chaud un peu. On verra. Donc on s'attaque, toi tu meurs, c'est parfait. Hop. La précision de notre Léa est parfaite. Ok, on gagne du niveau. C'est très bien. Parade annule les dégâts physiques de mêlée pour un seul coup et plus 1 les PA du personnage. Alors les attaques de mêlée, je sais pas ce que ça veut dire. On soit peut-être en première ligne, je sais pas. Et on leur met 72 avec ça. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Vous mettez combien hein? 21, c'est pas fou. Ok, eux ils tirent en cavalerie. Ça, ça me plaît mieux. Ah. Et... Ah bah oui, elle les tabasse, elle. Elle les tabasse. On va plutôt faire ça. Hein. Parce qu'ils sont plus bas en niveau, donc vu que c'est niveau 12, vu qu'ils sont niveau 10, ils vont gagner plus d'XP à les tuer. C'est vrai que c'est des cavaliers, donc le piaf, elle les tue. Hein. Elle fait les 3, je crois. Hein. Voilà. Hein. Je paf. Facile. Ok, niveau d'XP, c'est parfait. Oh, il met 30, il met 130, hein. C'est loin d'être dégueulasse. 33. 130. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va tuer celui de devant, là. Si on lui met 134 dégâts, la première ligne, elle saute, hein. C'est sûr. C'est la flèche enflammée qui va tuer celui de devant, je pense. Ah, parce qu'il se met derrière, on tape les 3 alors. Ah ouais, c'est ça. Lol, il s'est mis derrière et du coup ça a tué les deux. Ah, ça c'est la... la pire erreur du tank. Ah mais non, on peut quand même attaquer par derrière nous. Parce qu'on vole, on peut y aller en plongeon. Je crois que c'est ça, hein. On peut plonger en arrière. Donc il a protégé quand même celui du milieu mais pas les deux du côté. Bien joué Fro. Du coup, il reste encore quand même le tank de devant. Hein. Ok, là on fait plus rien. C'est bizarre tout de même. Et vous faites rien non plus, c'est chelou. 34, si on pouvait tuer celui de derrière, ça serait pas mal. Peut-être que c'est la course sauvage qui va faire quelque chose. Ouais, bon, ça fait des dégâts. Hein. Ok, un petit critique. Ouais, bon. Et la défense. Ouais, la défense, hein. Et c'est nul, hein. Course sauvage, du coup on tape pas celui de derrière, c'est dommage. Soin de ligne. Ah ouais, il soigne de 22 tous les dégâts qu'on a mis. Tous les pauvres dégâts qu'on a pu mettre. Ah oui, 45 quand même. Ah, il a remis la lame affûtée lui. Ah, je lui en ai mis 2 des rouges. Ah, c'est chiant qu'il refasse ça, lui. Je préfère qu'il fasse la joute, là. On a préféré qu'il fasse l'ajoute. Renault, pourquoi tu mets ça en priorité? Colonne complète. plutôt mettre PV. PV de la cible inférieur à 50%. Et j'aimerais inverser les deux. Comme ça, si lui il a peu de PV, tu fais l'ajoute. Sinon, tu fais colonne complète. On est d'accord. Ouais, ça marche ça. Ou est-ce qu'il fait plus rien du coup? Parce que s'il n'y a pas de cible à PV de 50 et que là il y a colonne complète, est-ce qu'il attaque? Faut quand même que je mette une tactique joute. Par exemple. On verra. Et du coup il se passe rien. Vous ne pouvez plus vous déplacer. Vous il se soigne. C'est quoi ça? Il va nous falloir quelque chose là. Hein. On va déployer Alain. Hein. Non mais même Alain il ne les tue pas? Comment je tabasse cette merde là? C'est increvable. C'est increvable. C'est increvable. On leur met un dégât. On leur a fait un dégât. C'est plus une victoire là. Hein. Bah, attendez, du coup on va remettre en place. On va virer ça et on va remettre ça. On va faire muter les deux. Ça fait rien. Comment ça se fait? Vous savez, mettre la ligne. Ah, mais c'est parce que c'est toi qui faisais un max de dégâts. Ok. On va se replier. Ah, peut-être que le hoplite, tu vas les taper, toi. Hein. Ou alors je fais le gros marteau. Hein. Peut-être que je fais gros marteau. Hein. Peut-être que gros marteau il fait les choses, hein. Lol. Il fait rien, il fait rien, il fait rien. Non, c'est vraiment notre piaf qui fait les choses, hein. Il va finir par crever hein, à coup de 3. C'est hallucinant, je trouve que. Avec toutes les attaques qu'on va leur faire. Ils prennent pas de dégâts. Mais parce qu'ils se soignent en fait, je suis con. Il se fait soigner par la ligne de soins. C'est horrible cette combinaison là. Parce qu'il y a barrière magique, ça c'est dommage. C'est horrible. Hein. Là il va se faire ligne de soin, il va se prendre 22 de heal. Il a 5 PV. 4. Ouais, il se fait soin de ligne. Il se fait double soin de ligne quoi. Horrible. Elle le tape. Ah quand même, il lui met 20. Et la poursuite. Au prochain tour, on devrait la tuer. On devrait le tuer quand même, non? Genre, je commence à plus en avoir... Ah, j'en ai ma claque, là. Quoi, mais il reprend 7. Ah, mais c'est ça, on n'arrive pas à les tuer, quoi. Et toi, tu lui mets 10. Ok, ça me va, ça. Tu lui mets 10, ce qui fait que du coup il va passer à 2 PV. Si je dis pas de bêtises. Il va encore se soigner. On n'arrive pas à le tuer. Hein. Mais si à 2 PV on va pouvoir le tuer et là on va pouvoir on les tuera tous. Elle est horrible leur formation en face là. Je peux pas taper celui à la magie. Faut juste un piaf quoi. 45, 3. Et il passe à 2, ouais c'est ça. Ok, en vrai elle tabasse vraiment beaucoup. Elle tabasse là. La cousine là, Virginia, elle tabasse bien avec son épée là. Contre les tanks comme ça, ça c'est pas mal. Du coup là on devrait la tuer hein. Là on devrait les tuer, oh, ok. Ça y est, ça y est, ça y est. Tu les tues aussi? Non, toi tu fais rien toi. Ils servent à rien, hein. Ils servent à rien eux. J'ai vraiment, des unités qui servent pas. Hein. In fact. Bah, tu fais rien non plus hein. En réalité là on fait plus rien. Ah bah si ça y est là. Ok quand même. Vous l'éliminez enfin vous. On fait les deux dégâts je pense avant. Voilà lui il meurt enfin. Du coup on tabasse les deux chevaux là. Finito. Plus le temps de faire la ligne, ils sont incapacité. Bon la lumière sacrée ça sert à rien. Tu peux taper celui de gauche. Ouais, c'est elle qui tabasse, hein. C'est toujours Beneris, hein. Carnage. On lui enlève son PA. Elle se soigne plus. Et la poursuite. Ça fonctionne tellement bien ensemble. Et repoursuite. Ouais, Beneris et Bérengaria ensemble, ça découpe, hein. C'est hallucinant. Ok, Alain niveau 15. Ça c'est vachement cool. On a réussi à faire ça. C'était tendu cette formation. Hein. Tank plus machin. Mais j'aurais eu un autre piaf. J'avais plus assez d'attaque de piaf, mais le piaf faisait l'affaire. Hein. On aurait tué les deux piafs sur les côtés. Et du coup le tank il se faisait moins soigner et on les tabassait derrière. On va sauvegarder notre progression. Il aurait fallu peut-être un chevalier wyvern là, pour tabasser la ligne arrière. Mais en même temps, j'en ai pas d'efficace pour le moment. 4 médailles. Ça fait combien de médailles en tout? Merci d'avoir libéré notre ville. Nous vous devons la vie. Soyez tranquille. Notre milice se charge de protéger la ville. Ah bah super, si ça charge comme la précédente. Au nord-est d'ici se trouve l'ancienne frontière de Bastoria, c'est la terre des Bestériens. C'est typé avec des fourrures et des crocs. Ah, intéressant. 48, il me reste de 2 médailles. Chaussures d'acrobate, posture guerrière, plus 1 les PA du personnage, et moins 50% sa force. Bah c'est nul. Enfin, certes un PA t'attaque, mais ça sert à rien d'attaquer 2 fois pour 50%, moins 50% sa force. Partage 50% des PV du personnage avec un allié. PV max plus 15, efficacité de garde plus 50. Se déclenche quand un allié est touché par une attaque. Ça me paraît pas dégueu ça. Hein. 25 en taux de garde, 15 PV en plus. Et quand un mec se fait défoncer, tu partages la moitié de tes PV. Après si c'est sur un tank, c'est un peu compliqué. Vous savez quoi, je vais l'acheter. Au cas où. Ok, je vais l'acheter au cas où. En livraison, on a tout, on va tout livrer. Comme ça, on a toutes les médailles qu'il nous faut. Parfait ça. J'ignorais que c'était votre majesté qui menait l'armée libératrice, mes plus plates excuses. Vous avez fait preuve d'une bonté remarquable en soutenant les habitants de ce village rural, merci infiniment. Ben voilà, madame la mercenaire. On va poster un garde. Peut-être pas Oshils non plus. Allez, Fro. Tu dis quoi, toi? Seule la lignée royale peut accéder au trône. Cornia vous revient de droit, prince Alain. Mon père voulait croire au mensonge de Galvius, permettez-moi de m'excuser en son nom. Ça va, je te permets. Alors, il devrait y avoir un fort pas loin. Hop. J'ai pris le chemin le plus long, évidemment. Hop, un fort. Voilà. Agrandir les unités. Bon. On a dit celle-là, hein. On a dit celle-là. Ou celle-là. Soit je mets celle-là, soit je mets celle-là. Bon, dans tous les cas, on va agrandir celle-là. On va réfléchir aux membres que je mets dedans. Parce qu'on a certaines lacunes, hein, tout de même. Autant celle-là, elle fonctionne très bien, mais je suis pas certain de l'efficacité et l'utilité du soigneur, en réalité. Parce que si je regarde la formation... Scarlett, elle fait des dégâts, mais je sais pas si... Enfin, elle fait peu de dégâts magiques. Elle en fait un peu, c'est l'avantage. C'est un gros tank, elle peut faire des dégâts magiques dessus. Et si on a pris des dégâts, elle peut soigner. C'est ça que j'aime bien avec elle. Le problème, c'est que généralement, Alain, il prend pas tant de dégâts que ça. Elle, elle tabasse. C'est quand même bien d'avoir un soigneur, je pense. Parce que elle, le tank se soigne toute seule et elle, elle soigne aussi. Donc ça, c'est très fort. Elle soigne la ligne arrière et elle, elle se soigne. Donc franchement, cette équipe-là, elle est vraiment très très forte. Mais je peux peut-être échanger les deux. Hein. Je peux peut-être... J'échange. Je mets ce duo-là qui est pété. Non, 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 non. Le duo-là, il... En vrai, celui-là, il fonctionne bien. Hein. Elle fonctionne bien, celle-là. Hein. On a de l'anti-magie. C'est contre les... Elle tape bien les gros tanks. C'est juste contre... les lignes arrière, c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce que je vire pas toi et je mets Fro? Je pourrais mettre Fro ici, je crois. Comme ça, elle tabasse la ligne arrière et c'est peut-être plus efficace que Renault. Je pense qu'il vaut mieux que je mette ça. Potentiellement comme ça plutôt. Ça c'est plus difficile de se faire attaquer. Ouais, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Ça permet d'avoir un tank ici aussi. Après Fro en front lane, elle est pas nulle. Hein. Après c'est peut-être juste comme ça. Hein. Peut-être ça la technique. Hein. Ça protège les deux. Plutôt comme ça même. Non, parce que là, elle se fait attaquer par tous les piafs. Dès qu'il y a un arc, elle va se faire éclater, Fro. Bon, après, la technique, elle se modifie, hein, la position. Ça me paraît pas dégueu d'avoir Fro, là. C'est ici, je suis pas certain de... Parce que Clive, il esquive beaucoup. Enfin... Non, il esquive bien Travis. Hein. En vrai, ça marche pas mal aussi. Hein. Oban, ça tabasse. Holt, ça fait des dégâts magiques. Clive, ça tue. C'est fort, c'est... Tu fais quoi, toi? Prime. Prime, elle sert à rien, j'ai l'impression, dans l'équipe. À chaque fois, elle fait rien. Elle fait déco. Elle fait ni soin, ni attaque. Elle fait que du soin, elle, c'est ça? Soin, résurrection, ouais, c'est ça. Si les mecs, ils crèvent. À la limite, je vais plutôt juste inverser. Vous voyez, si lui, il meurt... Ah, mais ça fait 0 dégâts, là. Hein. Faut que vous soyez dans une unité à 4, vous. On n'a pas de damage. Dans cette unité-là, on n'a pas de damage. Il y a lui qui fait des dégâts. À la limite, si lui il crève, elle le ranime et tout, mais... Bon, en vrai, ça suffit. Hein. Lui, il fait des dégâts. Hein. Un peu. Il faudrait une unité à 4, quoi. Bon, on va mettre Oshils. Ça fait quoi, Oshils? Ignore les effets du terrain et les pièges en se déplaçant. 4, 111 de mobilité. Elle a que 4 d'attaque. Mais elle se déplace assez vite, ce qui est pas mal. Moi, dans l'idée, ça me plaît bien, ça. Mais je sais pas si c'est efficace. Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre... un Renault? Attendez, parce que là j'ai mis Prime quelque part ici. Non, j'ai mis le magicien là. J'ai mis Sébastien. Du coup là ça risque de taper un peu plus fort. Hein. Mais ça ne se soigne plus. Alors que si je laisse Prime... Eh ben si, là... Non, 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 j'aurais besoin de Prime là. Non, non, on va rester comme ça. Parce que du coup là j'ai Prime. Vu que j'ai Renault maintenant, j'ai plus Fro. Si c'est Renault le tank, il faut du soin. Donc là ça va servir. Et ça, à la limite, Soigneur c'est ok, Adèle c'est fort, ça marche bien. Non, ça me plaît bien là. Ça me plaît bien. Et si je fais une bataille simulée par exemple, toi tu gères comment face à toi par exemple? Bon, vous avez clairement pas le niveau hein, mais je vais voir ce qui se passe. Toi tu protèges l'arrière ligne, ce qui est fort. Toi tu esquives. Toi tu esquives aussi. Hache déferlante. Ça tape mais on résiste en vrai. Accélération. Précision augmentée, initiative. Elle soigne. On n'a plus d'attaque là, si on a encore des attaques. Ajoute. Lui il défend. Prend du poison. Là il esquive. Ah il esquive tout Alain. On va crever à l'attaque. On va crever à l'attaque. Ah non, elle nous soigne. Ok. On va à l'attaque et là il l'évite. Hein. Ouais. Ok. On s'en est pas si mal sorti. Je trouve que pour une équipe qui a genre 5 niveaux de moins. Non, elle a pas tant de niveaux que moi. Hein. Ouais, un peu quand même. On va voir contre. Non, mais ils vont se faire éclater. Quoique. On va tester. Ils vont se faire éclater, je pense, mais. Ils ont clairement pas le même nombre d'attaques. Taille toxique. Ouais. Aïe, ils sont incapacité. Pourfendeur, lui ça fait rien. Ok. Alain il se fait rien. Il se fait éclater. Ouais, ils se font éclater. Hein. Il y a une bonne esquivelle quand même. Mais un, ouais. Bon, Alain il est trop fort. Hein. Alain est trop fort. Elle a une vraie bonne esquive. Ok. Ok, donc. On peut l'utiliser en tank. Presque seul. Il manque un mini truc hein, quand même. Lex fait pas assez de dégâts. Et toi par exemple contre toi. Toi contre toi. Tu donnes quoi? Toi t'as la magie. Gros coup, là ça tabasse. Ok, gros coup de marteau ça tabasse bien. Ah, on a tué notre... Ouais. Ça c'est pas cool. Zéro protection pour notre soigneur. Il craigne la magie. Ça soigne et c'est plus fort à gauche. Hein. Ouais. Lex c'est vraiment nul. Hein. Y a pas à chier, Lex c'est vraiment nul. Lex est vraiment naze. Est-ce que vaut mieux pas... Là je perds Oshils en fait. Hein. Oshils m'a l'air plutôt bien. Après c'est contre mes propres unités. Elle s'était pas tant si mal démerdée. Hein. Mais contre elle, il meurt. Elle a perdu contre mes 5 contre unités quand même. J'ai pas testé contre eux, tiens. Mais ils vont se faire éclater pareil. Hein. Même encore pire, je pense. Ouais. Ok. Ouais. Ok, précision augmentée. Ouais, lui, il se fait éclater. Hein. Lex, il est vraiment très nul. Je pense qu'il faut le mettre en arrière, Rex. Hein. Lex, pardon. Ouais, déjà on va modifier ça. Je pense qu'il faut que Lex il soit là. Hein. Honnêtement. Mais je suis même pas sûr qu'il faille que je mette Lex dans l'équipe. Hein. Il fait vraiment zéro dégâts. Après il a une épée de merde je crois Lex, non? C'est pas genre une vieille épée pourrave, épée baroque qui fait 13, ouais. On a peut-être moyen d'acheter une vraie épée quelque part. Sur la carte... Je peux avoir un village. Par exemple ici à Barbatimo. Est-ce que j'ai une épée pour lui là? Épée courte. Épée baroque. Non. Hop, je réalise que là l'épisode vient de faire 45 minutes. On va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.